Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno, on se retrouve ici pour la nouvelle épopée. Nouvelle épopée sur Resident Evil 4 Remake, jeu sorti en 2023, en mars 2023, qui est sorti surtout hein, PS4, PS5, Xbox Series, PC. Et actuellement, on va faire la version PC, qui m'a gentiment été offerte par Demoan. Demoan qui voulait, malgré... Qui porte pas vraiment Resident Evil 4 dans son cœur, même s'il admet très volontiers que c'est un très bon jeu, mais pour lui, ça commençait déjà à se perdre, les RE. Mais il voulait découvrir cette épopée à travers mes let's play, du coup, autant le faire. Et j'avais envie de le faire, et du coup, autant faire plaisir à son tonton, hein, comme on dit. En tout cas, voilà, du coup, on va se lancer dessus, tranquillou. Nouvelle partie, standard. Pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Resident Evil 4 de 2005, il est possible de passer en mode facile lors d'un game over. Pour les joueurs ayant joué à Resident Evil 4, les ennemis sont plus forts et les défis plus élevés, certains coûtent plus cher. Alors, ce qu'on va faire, pour le bien de cette épopée, on va le faire en standard. Je ferai peut-être une run hardcore de mon côté, mais là, j'ai envie d'y jouer pépouze, découvrir tranquillou. Et les chargements sont un peu plus longs, hein, loul. Septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Et ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero?
cigarette ? Vaya sitio más tétrico. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi ? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait ? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Comme ça, d'accord. Par contre, on va changer un petit truc. Loul. On va augmenter un tout petit peu. Alors, ça, c'est la manette. Loul, on s'en fout. Souris. Non. Juste la vitesse. Voilà. Merci. Et en visant un peu plus aussi. Hein. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Ben voilà le début du jeu, relativement similaire au. Relativement similaire au. Au jeu de base. Mis à part que le flic, normalement, il est remonté dans la voiture et il est reparti plus loin. Du coup, on n'a pas encore accès à la montée. En tout cas, le jeu est plutôt bon, hein. J'ai mis pas mal de trucs. La plupart des options sont à fond, quasi en élevé. Enfin, on peut courir. Il y a des corbeaux. Mais où est-ce qu'il est passé ? Ah, il y a des murs invisibles, monsieur Capcom. Alors, découverte totale, hein, comme je l'ai dit. Bon, je connais le jeu, on a fait le jeu de base très récemment, mais oui. Découverte totale du titre. Alors comme vous voyez, on arrive de nuit. C'est un peu facile, je trouve. Faut pas, hein. Petit lapin. Ok, cool. Bon, bah pour l'instant c'est le début du jeu, tout le chemin est tracé. Impression. Sachant que j'avais pas fait la démo à l'époque justement pour pas trop me spoil. Parce que bon, les démos d'aujourd'hui on les connaît. Hein.
Pays. Amulette grossière, le jugement approche. En tout cas, ça va, il y a pas mal de détails. Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'a pas besoin d'appui pour ouvrir les portes, c'est bizarre. Pourquoi pas? Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Clé de la cave. Est-ce qu'on a accès à l'inventaire? Oui. D'accord, ok. Parfait. Carte de police, police nationale. Mario Fernandez Castagno. Agent de police. Utiliser la clé de la cave. Ça commence fort, hein. Ils ont quand même enrichi un peu le début. Pour être honnête. Là pour le coup, on se croirait plus dans un survival. Regardez quand même s'il n'y a pas des trucs à choper. Et la map, du coup. La carte, si vous perdez, pensez à consulter la carte pour vérifier votre position et vos objectifs. En ayant une carte au trésor, vous verrez également où se trouvent les objets de valeur cachés dans la zone. Okay. En tout cas, c'est pas trop mal. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Eh oui, mon petit Léon. Chaque coup que tu commences ton premier jour de taf, c'est la merde. Je crois qu'il est mort. C'était quoi?
des gens qui se pointent. Putain, j'y crois pas. Quand on pense avoir tout vu. Bon. Ok. On a pas de balles, c'est chiant. J'aurais pas de balles ici. Ah, petit salopion. Pas de balles, rien. Ah, ça va être compliqué. Faut sortir par la fenêtre. Une plante. Parfait. Il y a un étage. Okay. C'est là où j'avais pas été de toute façon. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau ? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte... Faut que j'y aille, je te rappelle. Merde, t'es bon. Ok, je me casse. C'est à peu près sûr qu'ils vont nous suivre, je suppose. Bon, par contre, on n'a pas de balles, ça c'est chiant. C'est un peu chiant, hein. Début de jeu un peu dur, je trouve, par rapport à l'original. Là. Soit quelqu'un a une très forte hémorragie, soit ça, ou c'est des règles douloureuses. Ah, il y a des corbeaux. Est-ce que quand on tue les corbeaux dans le jeu, c'est pareil? Ah bah voilà. Des munitions. Parfait. Bon là, il y a du monde, hein. On les entend, Lord Saddler, tout ça, tout ça. On les entend, les petits coquinous. Ah, j'ai fini d'écrire.
foudre noire. Regardez. Oh, on a un coffre. Mallette. Okay. Ah, ils avaient compris que c'était un peu de la chiasse leur système. Cool. Bon. On va sauvegarder ici. Voilà, on a combien? 20 minutes. On peut faire du fufu et ça, c'est pas mal. Ce qui est en soi plus logique. Les entend, hein. Et il est balèze le Korbach. Les corbeaux donnent des trucs. Donc, j'ai raté un corbeau. Et du coup, maintenant il fait jour. Ok. Par contre, le F pour prendre les objets, faut que je m'y habitue. Est-ce que les corbeaux reviennent alors On les entend. En perso, je les entends avec le casque. On a deux chemins, ok. Ok, ok, ok. Je crois qu'on s'approche, hein. Où ça? Oui, on va se soigner. Genre déjà ? Déjà, ils nous mettent déjà des plagas, quoi. Loul. Un peu de la merde, ça. Il m'a l'air un peu plus chaud que dans le jeu de base, quand même, les onzons. Enfin, les autochtones. Loul. Il met beaucoup de temps à viser Léon. Ah, j'ai pas vu le piège à loup. Bordel. Ah, ça fait mal. Ouais. Bon, là, il y a un mec. On la fait pas, hein, Full House. Herbe rouge. Ah, ça c'est pas mal. D'accord.
crois qu'il s'est un peu enflammé, loul. Ok. Et il y a le deuxième chemin. Comme on avait vu dans le premier épisode de... que j'avais fait sur mon épopée des requêtes. D'accord. Le vert. Ah, ils nous le disent. D'accord. Ah donc ça veut dire qu'on peut essayer de rentrer pour avoir le pont tout de suite. Ça c'est bon. Ah, faut une clé. Et... c'est pas là qu'il y a le pont. On va y aller en fufu, hein. S'il faut. Essayer d'aller là où il y a le pont. En fait. Oh, elle a pondu un œuf. Oh la pute de. Bon, salut les man. Salut, hein. Ouais, ouais, salut. J'avais bien vu qu'il y avait une tronçonneuse qui me poursuivait, loul. Salaud. Oui, d'accord, il s'en bat les couilles du pont. Ah, par contre, j'aime pas du tout le feedback du pont, c'est de la chiasse. Cadeau.
va prendre l'œuf. Hein. Il y a du monde, il y a vraiment du monde. Cassez-vous. Ouais, par contre, c'est abusé, il court à deux à l'heure, Léon. C'est histoire. Belle mousse, mec. Non, mais hey, ça, ça abusait pas. Ah non, il est mort. Mais et... ça, c'est un peu de la merde, par contre. Cool. Gazla, elle est quand même un peu à chier. Hein. Genre. Et putain, les trucs est monté, j'ai horreur de ça. Ah bah je suis mort. D'accord, j'ai rien pu faire, on se soigne, on peut pas se barrer. Ouais, c'est quand même pas incroyable hein. C'est quand même pas incroyable. Le pompe est naze. Le premier pompe est à chier, quoi. On va revoir. On peut le passer. C'est quand même de la grosse merde, hein. Être honnête, c'est pas fou hein. Là, ok. C'est quand même un peu de la chiasse pour l'instant.
Mais putain. Je sais qu'il y a un système de pari dans le jeu. Je cherche pas. Non mais. Ah bah lui il est arrivé là. C'est de passer ça, Goul, si. Ah, ça c'est cool. Ils sont déjà là, quoi. Je suis tout seul avec la grenade. Oh, quel abruti! On va être obligé de surpasser toute la phase de chien, cela. C'est quand même pas incroyable. Pour l'instant, au niveau du gameplay, je suis pas. On va aller plus que ça, c'est trop mou en fait. Surtout pour des phases comme ça. Après, il y a des côtés bien, c'est qu'il y a le côté infiltration, mais. Cool. C'est beaucoup trop mou, hein. Je trouve. En plus, les trucs sont aléatoires, ça sert à quoi ça? On va faire la truc. Pour l'instant, c'est pas brillant la prestation que je propose, mais je trouve le gameplay mais tellement mou, en fait, par rapport à l'action qu'on nous propose, c'est quand même assez. Et le peu du pompe que j'ai essayé, c'est quand même très mauvais. Enfin, j'ai jamais vu un pompe aussi nul, en fait. Ah d'accord, on peut se faire. Ouais, j'ai pas de grenade parce que si. Te voy a hacer un idiota.
mais c'est quoi ça? Je trouve ça pas ouf hein, pour l'instant. C'est beaucoup trop mou. Hein. Il y aura un système d'esquive. Regarde, on peut rien faire. Mais on peut rien faire, quoi. C'est de la merde. Non, non, mais très franchement, pour l'instant, je suis pas emballé. Hein. Je trouve ça assez mou du cul. Mais alors. On va refaire le truc, voilà. C'est que le problème, c'est qu'on avait déjà des munitions normales, quoi. Non, on n'a rien. C'est quand même de la chiasse, quoi. Et on a le temps de rien faire, en fait. C'est qu'il y a tellement peu de... tellement peu d'impact dans les coups de feu que... Si c'est aléatoire en plus les trucs. Laisse tomber. Bon, lui il se retourne jamais quoi, c'est ça le... c'est ça l'idée. Pas le choix. Mais il est mou quand il... même quand il court, il est mou quoi. C'est mou. Y'a aucune sensation de... Regardez ça, mais... Oh là là. Alors, elle va me dire, oui, mais c'est un survival horror. Oui, bah alors, fais en sorte qu'il n'y a pas 36 milliards de gunfight. Là où ça marchait dans RE4 de base, là ça marche pas en fait. Parce que le gameplay est trop mou, Léon est vachement lourd en fait. Bon, ils ont un... On a même pas le temps de sortir le coup. Ouah. Regardez ça! Oui, oui, on a compris qu'il y avait la tronçonneuse. Alors, on peut rien faire parce que le jeu a dit. On peut même pas se casser, hein! Ah, bah, il est d'accord, elle arrive derrière. On va aller seul. On peut même pas se barrer par là, ok. Merci Capcom, on comprend rien à vos trucs. Ah, putain. Non, mais regardez ça. C'est tellement de la chiasse. Moi non plus, j'y crois pas. Et salut.
fait venir. Ouais, tu m'étonnes. Ah, ça c'est cool. Allez, prends la grenade. Prends les balles de pompe, ils sont là. C'est vrai qu'on a les raccourcis. Allez, venez. Non mais. Non, sérieux ? Mais putain ! Oh là 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 ! Il est mou, mais j'ai jamais vu un mec courir aussi mou, quoi. Il n'y a aucune sensation de vitesse, quoi. Ouais, par contre, à chaque coup qu'il faut se taper un QTE, c'est de la merde. Ça, je vous le dis, c'est de la grosse chiasse. Mais putain, il y en a partout, quoi. Au secours! Regardez ça, il n'y a pas un endroit où on est peinard, quoi. Pourquoi ils ont mis le truc sur F, quoi? Putain, les cloches. Ouais. C'est vous. Ouais. Pour l'instant, je suis mitigé quand même. Peut-être parce que je suis pas encore habitué au gameplay, mais c'est quand même pas incroyable. Tenemos que servir. Ouais, je suis pas emballé. Hein. Alors c'était très cool, alors ça doit être certainement plus marrant en New Game Plus. Mais alors au début du jeu, au secours. Hein. Léon, il est mou du cul. Il y a une fête. Président. Oh. Alors oui, c'est très cool, ça fait très survival et tout le début, mais non. Surtout quand c'est si mou, quoi. Ce soir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. Ah, Miyazaki. Sois prudent. Terminé. Miyazaki, moulin, on connaît. Bon, on a combien? 50 minutes, loul, on n'a rien fait. On va looter tranquille. Hein. On va bien looter des balles et tout ça, quoi. Quand même. C'est quand même. Ouais, je suis quand même pas hyper emballé pour l'instant. Tout est mou, quoi.
Mais même là, quand je fais l'action de courir avec Léon, c'est ça votre agent spécial au secours, on est en asthmatique, quoi. Y a rien. Le pompe a l'air mauvais, mais enfin j'ai jamais vu ça quoi. Alors je veux bien qu'ils aient amélioré certains ennemis comme les mecs à la route. Enfin, ils étaient déjà assez relous comme ça au début du jeu. Un spray, tout ça, il nous donne du soin quand même. On a un œuf, on va prendre un œuf. Faut que je garde un œuf pour faire un truc par contre. Non mais. F. Là, par contre, on va faire un truc parce que je trouve ça, c'est une infamie incroyable. Commande. On va pas changer les touches là, genre. Configuration des touches. Merci. Et s'accroupir. Ouais, c'est ça. On va le mettre sur F. Au secours. D'appliquer les changements de quoi? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi donc? Mêlé avec le grappin, là, tu fais ça et puis tu fais ça. Loul. On merde pas, voilà. Bon, allô. Non mais F quoi. Quelle idée de mettre ça sur F quoi. Capcom qui s'invente des vies. Si on va changer, on va changer les configs PC. Quoi. Bon, on aura tout fait ici ou pas? Il ne reste plus que l'aller en haut du bordel. Là. Ah, là, bon. J'ai une autre plante. Il faudrait que j'en garde une quand même pour avoir. Est-ce que ça on peut l'ouvrir? Non. On pourra y aller avec Ashley. D'accord. Ils ont mis des nouveaux trucs, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est vous? Une herbe verte. Ouais, maintenant je vais appuyer sur F tout le temps. Quoi. Je me fais une hooper. Quoi. Ok. What? Maintenant ils nous font des phases à la Uncharted. On y était ici. Il y était. Bon bah let's go hein. On va à la suite. Oui, d'accord, légende contrôle mécanisme appareil. Ah, oui, d'accord. Il y a un truc à l'entrée du village.
Regardez. Ça, c'est une animation de quand tu cours normalement dans un jeu, quoi. What the fuck? Aucune sensation de vitesse, d'impression d'aller plus vite. On n'a pas beaucoup de chargement par contre. Le voilà. Voilà le moulin. Il y a du monde. Bon, tant pis, ça fera un épisode un peu plus long. Sauvegarder. On agrandit certaines zones. Juste Léon qui a la voix de Noctis dans FF15, enfin la VF du moins. Je crois que c'était la même qu'il avait dans RE2 Remake. Par contre les œufs, j'en ai beaucoup. Ils en donnent beaucoup. Ralentissement. Mais quelle pute de vache! Casse-toi! Par contre, les interactions sont quoi même pas? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier, elle? Mais what? Casse-toi! Craquer Capcom avec les bestioles. Par contre, il y a des textures. On se demande d'où elles sortent. Une clé aussi ici. Ah, il y a un trésor. Là. Ah, il y a les médaillons. Il y a les médaillons. Non, c'est ça. On entend des gens quand même, c'est assez. Ok. Il
les requêtes. Lorsque vous voyez une affiche bleue, récupérez-la, vous vous occupez d'une requête. Vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans le menu documents. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout. Requête, détruire tous les médaillons bleus, ferme. Trois spinel. Il y en avoir d'autres à la ferme du coup. Par contre, c'est pas évident à trouver les trucs, je trouve. Non, il y en a pas un là quoi. Un peu obvious. Par contre, on les voit pas beaucoup les trois. Ça, c'est pas mal en vrai. C'est moins clair. Bon, par contre, je voudrais venir trouver les autres médaillons là. Ils sont. On les trouver trois, mais là, on n'a pas l'air de pouvoir y aller. Des mines là direct. Ah, une herbe jaune. Parfait. Ce mélangeur restaure presque trois fois plus de vie qu'une seule herbe et augmente la jauge de vie. Et ça, ça vous l'a pas. No Miyazaki, oui, on peut rentrer dans les moulins là. Loul. On se casse. Mais bien sûr. Il met 3 jours à viser, c'est incroyable. Du tout réactif.
pas les ennemis, on leur tire dessus, où il se passe rien. Voilà. Qui court en plus. Arrête-toi. Et une esquive quand même. Eh ben mon vieux. Ouais bon, je commence à comprendre un peu le boulon. Mais bon, ouais, je suis pas emballé plus que ça. Hein. C'est un peu mou du cul. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Des pesetas. Un hobby. À combien 1h07. Pour essayer de d'ouvrir le truc. Si. Ok, cool. Faudrait que je remonte. Non. Oh, Des balles de fusil à pompe. Ok. Bon, je sais que j'ai ragé un peu beaucoup là, mais ouais. Pour l'instant, je suis pas plus emballé que ça. Hein. Alors, je vais le faire parce que c'est Hero 4, mais ouais, le gameplay, c'est un peu mou du cul. Hein. Regardons bien. Pas un médaillon. On a 4 sur 5, il me semble. La ferraille. Fiché. On peut combiner les trucs, ok. Oui. D'accord, j'ai compris. Ah merde, attendez. Ouh. Ouais, parce que bon, dans les menus, ma souris se barre sur l'autre écran. Ok. Regarde si on pourrait reculer un petit peu la caméra. Maintenant j'ai tendance à appuyer sur F tout le temps. Merci. Bon. Les cartouches de pompe. Pour l'instant ça ne dit toujours pas où est l'autre médaillon. Que j'ai tout, j'ai regardé à peu près partout. Hein. Ouais. Ok, bon, on va ouvrir. Hein. On va ouvrir.
Bon, ils ont eu le bon goût de pas mettre des QTE pour tout et rien. C'est pas mal. Pas de médaillon bleu là. Est-ce qu'on les voit sur la map au moins? Parce que ouais, j'ai l'impression qu'on les voit en fait. Légende contrôle. Médaillon bleu, ouais, c'est ça en fait. On les voit, je m'amuse à chercher. Tout est dedans finalement. Serait par là-bas. J'ai pas l'impression de courir. Oui, mais tu comprends, c'est un survival horror. Oui, oui. Montez-toi. Serait par là. Je l'aurais pas vu. Ah, peut-être derrière le château, le truc. Hein. On serait juste en face. Voyons voir. Derrière. Par derrière, là, par là en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Il serait par là. Okay. Je l'aurais pas vu. Là, il serait dedans. Putain, mais il est là, d'accord. Bon, bah, let's go. Let's go. 14. Ça va faire long cette vidéo. Ah, maintenant faut que je me réhabitue à pisser sur loul. Mais c'est pour la fuite. D'accord. Okay. Genre on peut pas aller ici. Ah non, d'accord. Ah la con. Il y a plusieurs chemins. What the fuck. Il doit y avoir un trésor ou une connerie du genre ici, non? C'est possible. Ok. Ouais. Bon, allons-y. Parce que bon, une heure et quart quand même, on n'a pas fait grand-chose.
Après, je découvre, hein, je vous dis, je découvre. Parce que souvent de dire que le jeu c'est de la chiasse, mais vous en faites pas. Toi, tu sais aussi, à la fin, je dirais c'est pas si mal, hein, comme ce bon gros zoom. What? Ok, d'accord. Oh putain, ça arrive toujours. Ah, et non, c'est eux. Putain, maintenant. Ouais, je suis mort bêtement. J'ai tapé de bouton. On reprend où, parce que est-ce que si je reprends, parce que si on reprend là où j'avais sauvegardé, on va reprendre du coup. Ok, quand c'est rien qui est clair dans ce jeu, c'est quand même... Mais what? Il sort d'où? On voit tellement rien. La Germaine. Ok, cool. Putain, toujours pas morte. What? Oh, et les passages vont être durs, j'ai l'impression. Sinon, ta lumière, Léon, non? On arrive déjà ici. Ça gave un peu, hein. Mais tire! Oh là là, réactivité sur 20, quoi. Ils se prennent un coup de pompe, ils bougent pas, quoi. Enfin, ça a aucun sens. Oh là 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 là. D'accord. Suivant. Et putain.
c'est loups qui me tirent des trucs. Oh là là, mais je tombe sur le truc. Mais putain, mais et c'est une blague. Ça me balance des trucs doux. C'est là qu'on voit que c'est mal fait, dans Hero 4 elle serait morte. Ah, ça serait, ça irait péter à la gueule quoi. Ah bien ça, Captain. Là comment là-bas? Oh mais il y a du monde partout. Mais cours ! Oh là là ! Bon, ça a l'air d'être good. Putain de piège, loul ! Allez, on est à combien ? 1h24, putain, ça va être long cette histoire. Bon, ça fera un épisode de long. En découverte, je sais pas trop où sauvegarder de toute façon. Bon, là normalement, il me semblait que c'était la suite. Il y avait des trucs ici. Bah, y a rien, ok. Y'a rien. Ah oui, c'est la phase avec monsieur machin là. Ça sera peut-être pour plus tard ça. Trésor. Ok, ok. Hop. Par contre, c'est chiant dans le menu, faudra que je règle ça. Chaque fois que je vais dans le menu, ça me décale ma souris. Là. C'est peut-être ici. La poudre noire. Mmh.
Ouais, super, une photo. C'est génial. Bravo Capcom. C'est quoi ce bruit? C'est quelqu'un qui tape une boule. Oh putain, c'est scripté. Okay. C'est pas ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Je voulais fouiller un peu avant. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à fouiller. Ah, il se décide à utiliser sa torche. Incroyable. En tout cas, les paysans espagnols sont un peu vénères quand même, hein. Ah ouais. Et plus de budget. Que ça fait mal. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Oh, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Oh. Chapitre terminé. Table. Alors, défi complété. Mort discrète. Chapitre 1. Ah, on regagne encore des. D'accord. Couteau dans la plaie. Effectue une attaque extra avec un couteau. Effectue une attaque de mêlée. Combiner des objets entre eux, vaincre 10 ennemis avec des attaques de mêlée, 5 ennemis avec le couteau, 10 ennemis avec des explosifs. Tirer sur un bâton de dynamite dans la main d'un ganado. Okay. Suivant. Les PC obtenus en complétant les défis peuvent être échangés contre des récompenses à la boutique spéciale. D'accord. Ok. Shift. On va sauvegarder, on va s'arrêter là. Sauvegarder ici. Bon bah voilà. On a terminé le premier chapitre de Hero 4 Remake. Alors, je sais que j'ai été un peu dur hein, sur cette première heure de jeu, là, cette première heure et demie même de jeu. Mais ouais. Pour l'instant, je suis pas emballé plus que ça par le gameplay. Alors. Oui, alors le gameplay fait, ça a l'air de faire le travail, mais là pour les débuts, les phases où il y a plein de monde comme ça, je suis pas emballé. Hein. Je suis vraiment pas emballé. C'est un peu mou. Alors qu'ils mettent l'option pour faire courir Léon, je veux bien, mais au moins dans le 4, on avait une certaine impression où Léon allait plus vite, quoi. Là, on n'a pas trop ça, quoi. Donc, voilà. Après, l'impact des balles, bon, ça a toujours été un peu problématique dans les RE. Même dans RE 4, hein, ça n'avait pas un impact incroyable, mais moi, il y avait un petit impact. Là, le shotgun, je le trouve mou du cul. C'est fou. Ouais. Le coup du couteau aussi, alors j'ai vu qu'il avait une barre.
pouvait se briser, pourquoi pas. Après, je suis dubitatif pour l'instant. Le coup du pari, j'ai pas encore vu comment que ça fonctionnait réellement, j'ai pas trop compris encore. Mais sinon, oui, bon, ça respecte plus ou moins le début des requêtes, hein, même si ça m'a l'air un peu plus riche. Là. Quelques petits changements fort appréciables, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cet épisode, ce premier épisode de Resident Evil 4. Je vous dis bye bye et à la prochaine.